Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment résoudre une équation du second degré, c'est-à-dire deuxième degré, et la factoriser si c'est possible. Donc, comme vous le savez dans votre cours, que pour résoudre une équation du second degré, on utilise les nombres A, B et C. Le A ici, c'est 5. Le B, c'est 2 racines de 5 et le C, c'est 1. Et premièrement, on va calculer le delta. Pour le delta, c'est le B carré moins 4 fois A fois C. Ici, le B, c'est 2 racines de 5. Le tout au carré moins 4 fois A, A c'est 5, fois C, c'est 1. Pour calculer 2 racines de 5 au carré, c'est quoi 2 racines de 5 le tout au carré? C'est 2 au carré, c'est 4. Racine de 5 au carré, c'est 5. Ça va donner 20. Donc, on écrit ici 20 moins 4 fois 5 fois 1, c'est 20. Donc, il est égal à 0. On a déjà vu que si le delta est positif, strictement positif, l'équation admet deux solutions. Si l'équation, si delta est nul, l'équation admet une seule solution. Et si delta est négatif, l'équation n'admet pas de solution. Pour cela, l'équation, on écrit ici, l'équation admet une seule solution. C'est quoi la solution? C'est x qui est égal. C'est égal à quoi? On écrit ici, comme un petit rappel, lorsqu'il admet deux solutions, x1 et x2, comme un petit rappel, on écrit ici moins b qui est l'opposé de b. La première fois, on ajoute racine de delta. La deuxième, on retranche racine de delta sur 2 fois a, 2 fois a. Mais ici, le delta, il est nul, c'est-à-dire, c'est une seule solution qui est moins b sur 2a. Et le moins b ici, c'est moins 2 racine de 5. 2 fois a, ça va donner 10. Qui est égal après simplification par 2, ça va donner 5 racine de 5 sur 5. Donc, ça c'est la solution. Donc, on écrit ici, puisqu'on veut résoudre l'équation, on va écrire S égale le singleton moins racine de 5 sur 5, ce singleton. Pour factoriser un trinôme, on procède de la même manière. On calcule le delta. Donc, comme un petit rappel, si le delta est positif, on peut faire une factorisation. Si delta est nul, on peut faire une factorisation. Si delta est négatif, on peut pas faire une factorisation. Pour la factorisation de 5x au carré, 5x au carré plus 2 racine 5x plus 1. L'expression. Quand on prend par exemple ce trinôme, si ce trinôme après le delta comme équation il admet une seule solution, on va premièrement factoriser par A et ici prendre la solution au carré. Donc ici on va écrire le 5 qui est le A, et puisqu'il admet une seule solution, c'est-à-dire solution ou bien il y a deux solutions qui sont égales. Ensuite, on crée x, et ici on va écrire moins racine de 5 sur 5. Ça va donner ensuite 5 facteur de quoi? De x plus racine de 5 sur 5, le tout au carré. Donc, dans cet exercice, on a par exemple l'équation qui est écrite ici. On a calculé le delta, on a trouvé que delta est nul, donc l'équation admet une seule solution, c'est moins b sur 2a, on a écrit le s. Pour la factoriser, oui, on peut factoriser, on va le rendre comme identité remarquable, c'est-à-dire on va factoriser premièrement par le a, qui est 5 ici, et puis facteur de x moins la solution, le tout au carré, et puisque la solution est négative, ça va devenir ici un signe positif.